Vous avez cinq sens qui permettent les contacts de ces corps extérieurs. Dieu vous a donné ces cinq sens, non pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Puis à l'intérieur de cela, vous avez un esprit. Et il a cinq issues. La conscience, l'amour, etc. Cinq issues par lesquelles vous êtes en contact avec le monde de l'esprit. Mais avec votre esprit, la guine pour moi, la roya, suivez bien, votre être physique. Entre en contact avec le monde physique. Votre être spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Mais à l'intérieur de cela, vous avez une âme. Et cette âme est le genre qui vient de Dieu. Le gène qui vient de Dieu. Et c'est là où la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. C'est dans l'âme que l'homme vit. Est-ce que nous sommes présents? Prenons son confit. Son confit, il a pêché le 31 juillet 1955. Sauti ya shoko shikika mzuri yenye arubi dare makumi tatu na moja mwezi wa saba mwaka makumi tano na tano. Nous allons prendre le paragraphe 78. Tutasoma nukta makumi saba na mnane. Maintenant c'est dans l'âme que l'homme vit. Mungu anaishi ndani ya nafsi yake. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Kile uiko ndio kile kiko ndani ya nafsi. Pas dans votre esprit. Hapana moyo wako. Est-ce que nous sommes présents? J'aimerais que vous commenciez à distinguer l'âme et l'esprit. Amen. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme, pas dans votre esprit. Pas dans votre raisonnement. Ce n'est pas parce que vous dites. J'aurai un meilleur standing. Je veux m'associer à de meilleurs gens. Je vais devenir chrétien. Et je reviens encore sur ça parce que j'ai perverti, j'ai sauté d'autres écritures parce que j'avais déjà pris ça. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, nous allons prendre la dernière écriture pour terminer avec cette réponse dans démonologie, domaine religieux. Maintenant Jésus a dit, ça ça y est, sur les semences. Un semeur est sorti semer des semences. Namoto akatoka kotesha pepo, n'est-ce pas? Aina bien. Mais tous vous êtes chrétiens ici. Moi je vois des mots par Christ papa. Tout le monde a levé la main. En tout cas, namoto wote lakini aninyakula kwa mkono. Pentecôtiste, Pentecôtiste, des chrétiens nés de nouveau. Christ venu vous arrêter de dire. Très bien. Bonjour. Il a dit, un semeur est sorti semer des semences. Et pendant qu'il dormait, sa mort dans l'intervalle, vous voyez, pendant qu'il dormait, un ennemi est venu semer des livrets dans ses champs. Des livrets. Qu'est-ce? Mimi. Des mauvaises herbes, des ronces et tout. Et quand les laboureurs, les prédicateurs, a vu pousser cette livrée, il a dit, je vais aller
aller l'arracher. Mais na penda nyende ni tukune. Non. Tu arracherais aussi les blés. On a ouais ça pour tukuna na. Laissez-les croître tous deux ensemble. Wache yote ikomele pamoja. Il y a un champ de blé ici. Il contient des plantes rampantes, des orties, des herbes aux sorcières et tout le reste. Et est-ce vrai? C'est par contre là, il contient du blé. Maintenant, la pluie tombe souvent sur la terre. Pour la brevet. Oh, la pluie c'est pourquoi? Pas pour arroser l'ortie. Maintenant regardez bien. Et soyez attentifs. Pas pour arroser la plante rampante. La pluie est envoyée pour le blé. Mais l'ortie et la mauvaise herbe sont tout aussi assoiffées que le blé. Et la même pluie qui tombe sur les plaies tombe sur la mauvaise herbe. Et cette petite mauvaise herbe va se redresser comme ça, toute heureuse dans la redresse, tout autant que le petit blé va se redresser. Mais c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Voyez, oh, le même Saint-Esprit qui bénit un hypocrite, ça n'a sonné que les uns d'entre vous, les Arméniens, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous rappelez cela, la sainteté. Moi aussi, je suis à la sainteté. Mais le même Saint-Esprit, la paix tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Amen. Amen. 65 nous dit ceci. Demande-le toujours, Je regarde ici et que je vais chercher du blé. Je rapporte du blé. Mais les mauvaises herbes, c'est tout arraché ensemble. Et elles vivent de la même pluie qui est tombée pour le blé. Mais la pluie n'a pas été envoyée pour la mauvaise herbe. Elle a été envoyée pour le blé. Mais comme la pluie est dans le champ, les mauvaises herbes sont dans le champ de blé. Elles ont profité tout autant de la pluie que les autres. Et la même pluie qui a fait vivre le blé a fait vivre les mauvaises herbes. Il dit que toutes les choses qui sont dans l'intérieur sont d'un type spirituel. 66. C'est ce que nous enseignons. Voilà ce qui est la démonologie. Des démons qui imitent le christianisme et qui reçoivent quand même la bénédiction. Ce n'est pas du lait de main. Voyez, c'est la vérité. Est-ce que nous sommes présents? Alors c'est là où je vais parler. Vous voyez, le Saint-Esprit authentique peut descendre sur une personne ou être cette personne au niveau de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit authentique, le vrai Esprit de Dieu. Il a où là-bas, l'homme peut donner même une véritable prophétie. Et ça s'accomplit à la loupe. Ce n'est pas l'évidence, ce n'est pas ça le ciel. C'est là où il a dit que vous pouvez faire cela et manquer le ciel. Amen. Nous n'avons pas besoin que le Saint-Esprit habite l'esprit, non. Non, l'esprit habite le corps, non.
qu'il descende. Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand le Saint-Esprit descend à l'âme, il devient le maître. Quand il va commencer à te conduire, ce ne sera pas toi qui vivras, mais Christ qui va vivre à travers toi. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, écoutez, quand le prophète parle d'une femme qui se maquille, qui est mal habillée, qui est... si vous voyez une femme comme cela, sachez qu'à l'intérieur, il y a un vide. Et un homme sans le Saint-Esprit, le prophète dit que c'est un homme animal. Vous m'excuserez, nous sommes dans une église d'assemblée mixte, il peut trouver un bébé de quelques mois pour le violer même. Donc c'est un homme sans l'Esprit de Dieu. Un homme animal. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez comprendre tout au long de notre leçon comment le prophète va montrer ces choses. Pour lui, il pensait peut-être que c'est l'amour qui est l'évidence du Saint-Esprit. Il en a parlé à plusieurs endroits. Et nous y arriverons aussi. Nous allons aussi parler comme c'est comme lui. Mais au finish, vous comprendrez la réalité comme le Saint-Esprit l'avait ainsi corrigé. Alors, pour nous aider, pour nous donner la soif de ce que nous voulons faire pendant les 3 jours, parce que beaucoup sont en train de se tromper et pensant peut-être qu'ils l'ont reçu alors que c'est tout simplement au niveau de l'esprit. Vous l'avez réellement reçu, mais il est seulement au niveau de l'esprit. S'il est au niveau de l'esprit, il ne vous dirait pas loin. Ce sera un Saint-Esprit de quelques jours, un Saint-Esprit de 3-4 jours, un mois, et c'est fini. Na ba mingi ba ritanganyika ya